Bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est plus un petit vlog pour faire un peu le point sur deux trois choses. Donc, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait un petit live cette semaine. Alors, c'était un live qui n'était pas prévu. Enfin voilà, c'était plus un test. Je voulais voir avant que ça passait. C'est filmé avec le téléphone portable, j'ai un accès direct pour faire le live, voilà. J'ai pas pu filmer avec la caméra d'habitude. Et forcément la qualité très très moyenne, enfin je m'attendais à la pire quand j'ai vu le retour, on va dire, voilà. Apparemment ça a beaucoup coupé. Pour les lives, j'aimerais en faire assez souvent, mais il va falloir le moyen de pouvoir en faire, quoi, hein. Ça c'est un test. Bon, cela dit, c'est pas plus mal. Ça me permet aussi d'avoir un certain nombre de voir un petit peu ce qui se passe en direct avec les gens qui regardent la chaîne. Ça me permet de voir ce qui se passe. Alors, comme vous avez pu remarquer aussi, pour ceux qui regardent beaucoup la chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos depuis presque maintenant une semaine passée. J'ai dû souffler un petit peu puisque j'ai quand même fait énormément de vidéos. Sur mon chaîne, Johnny Rock Channel, j'ai fait 63-64 vidéos en 4 ans, si je dis pas de conneries, et là je suis à 48-49 sur cette chaîne-là, donc qui n'avait pas un an, voyant un petit peu. Donc j'ai fait énormément de vidéos, j'ai fait aussi 2-3 une série de vidéos, ça. C'est carrément pas passé, c'est un échec, on va dire. Je veux dire, c'est une série sur un sujet très important, mais j'ai pas réussi à le rendre mieux. Bon, je referai sûrement aussi tout ça, mais sauf que bon, j'ai pas mal de soucis aussi dans ma vie personnelle. J'essaye aussi un petit peu d'avoir un équilibre, ne pas mettre une pression en plus, parce que la chaîne, c'est pas une pression, hein, j'ai un plaisir énorme à faire la chaîne, sauf que au bout d'un moment, il faut aussi un petit peu s'arrêter, souffler, et se dire, bon voilà, j'ai ça d'important à faire, je fais d'abord ça, et après je peux. Déjà, si je fais mes par semaine, et qu'en deuxième, je fais ma chaîne. Au moins, quand je fais ma chaîne, je pense pas à autre chose. Je peux me concentrer à ça et faire les choses correctement. Donc voilà. Là, je suis en train de montrer le guide du survivalisme de l'épisode 2. Donc, je vais rien vous dire. Voilà, c'est la surprise. Et donc voilà, bon, là je suis en train de montrer la vidéo. Alors elle sera sûrement plus courte, enfin quoique. Non, je vais pas. Je sais pas. Il y a de fortes chances qu'elle soit plus courte, mais je dis rien parce que. Voilà. Parce que si ça se trouve, elle sera plus longue. Voilà. Donc voilà. Pour moi c'est tout. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire sur la vidéo. Ah, et puis je vais faire une petite promo aussi. Alors je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, mon dernier album vient d'être labellisé. Donc ça s'appelle Dreaming Hope. Je fais ma petite promo parce que ça fait 15 ans que je rêve d'avoir mes CD en main. En plus c'est labellisé, hein, je veux dire, c'est voilà, hein, c'est du vrai car, enfin c'est voilà, c'est du vrai, c'est pas du coq. Donc
Ça m'a pris 15 ans à réaliser. Alors, l'album est sorti l'année dernière. Et cette année, il est sorti. Donc, l'année dernière, il est sorti en digital. Et cette année, il est sorti en physique. Donc, vous pouvez l'acheter soit sur au niveau du label, soit prendre contact avec moi et puis pouvoir acheter. Vous allez sur Bandcamp, vous allez sur du Rolling Hope, Shamem, pour pouvoir l'écouter gratuitement aussi si vous voulez. Sur YouTube ou sur Bandcamp, vous pouvez l'acheter aussi sur Bandcamp. Voilà, j'ai fait ma petite promo, alors c'est juste que ça c'est un truc qui a pris longtemps dans ma vie pour pouvoir se réaliser. L'année dernière, l'album est sorti et aujourd'hui je l'ai dans les mains. Ça c'est une fierté, j'en ai un exemplaire dans ma vitrine que tous les matins quand je me lève, je suis obligé de le voir, je le vois et je me dis que tout est possible. Donc le survivalisme, c'est souvent un petit peu risque, un petit peu, voilà. Mais il faut jamais ne pas croire en soi, il faut toujours aller de l'avant et se dire qu'on est capable de tout au final et ne pas baisser les bras. Et pour moi, ça c'est l'exemple même. Même au niveau de la chaîne, j'ai eu des commentaires super sympas, surtout sur la vidéo où je parle de ma formation. Au début, ça aurait pu m'arrêter. Mais au final, je continue et c'est grâce à vous. Et ne perdez pas espoir. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez pas si vous n'aimez pas la vidéo. Bref. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!